dire que j'ai failli t'écrire un texte, une démo de mots, des mots, des plus infects. Tu traînais dans le secteur, plus petit qu'un insecte. Tu m'as infecté, j'ai failli écrire ton nom en lettres capitales, comme verser de la merde dans une coupe en cristal. Tu t'es pointé chez moi, toi, le sale petit mot. Mais sur mon texte, tu ne plais, devenu septicémie. Barre de base, instinct bercé, te déverser dans mes vers. C'est l'univers, c'est l'inverse, c'est acéré comme des crocs. Acéré mon chromie comme un écrou, je sais pas ce qui m'a pris. Mon esprit comme épris de décrit, de mépris. T'as décrit par écrit qui l'eût cru, j'ai failli m'écrouler. Plié sous ton poids, tu t'es glissé telle une fouine dans mes lignes. Et sous mon toit, je n'ai pas pu me taire. Je te sentais frémir dans mon cœur et fleurir le long de mes artères. J'étais vénère, j'avais les nerfs à nu, les poings serrés par la colère depuis des années. Alors j'ai salopé mes pages avec toute la rage dont je me pensais maître et dont j'étais l'otage. Mille mots mal aimés dans mes lignes emmêlées ont porté ton message, guidé par tes mensonges. Serpent servi la servant les cerveaux à ta merci. Comment t'arrêter si en lavant le mien tu l'as aussi rétréci, en me faisant passer des lanternes pour des vessies. Les loups dans tes récits prenaient l'allure de gentils messies. Tu as noirci mes pages, pourri mes phases, tordu ma face et infecté mes phrases. J'en voulais à la terre entière, j'avais la rage et les morts. Tellement l'appétit que je mangeais mes mots, tellement le rage accumulé et tellement de plaintes à formuler. Oh, tellement de peine qui m'acculait tout. J'avais la face en feu quand dans mon flot tu enflais. Et moi qui pensais faire du rap en écrivant des pamphlets. Tu as mis dans le mille et le mât dans mes lettres en usant de la force et de tout mon mal. Si facile d'effacer de mes phrases à passer, ne jamais me quitter, méditer, m'éviter, méditer, m'obliger d'éditer tes idées. J'aurais dû me méfier, te défaiter, passer du papier sans pitié. Mes bêtes comme mes pieds, je n'ai pas vu que je prenais ma plume comme on prend une épée. Que ça sert de leçon quand ton stylo se change en gun. Tu finis par verser le sang, car sache que la colère inverse de tes mots le sens. Dire que j'ai failli t'écrire un texte, une démo de mots, des mots des plus infects. Tu traînais dans le secteur, plus petit qu'un insecte. Tu m'as infecté. Tu m'as infecté. Dans le noir, l'agent Starling est une proie facile. C'est en vision nocturne que se fêlait la frôle. Mais c'est elle qui fera feu et mettra fin au mauvais rôle. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. C'est la story d'un golden boy à qui tout réussit. Pourtant les humeurs de Patrick bien trop souvent oscillent. Ce prédateur frissonne, dans ses délires s'abandonne. Il traque, tronçonne des fausses nonnes au cœur de la grosse pomme. Je pense que dans le bar d'Henri, Billy fait son retour. Tommy franchit la porte et se force à lui dire bonjour. Alors Billy le provoque hors de lui, Tommy s'enfuit. Minuit, Jimmy le bloque, Tommy le cire, la mort s'ensuit. Oh, tu vas la chercher ta boîte à cirage, oui ou merde? Putain, Tommy, merde, il a rayé mes chaussures. Mademoiselle Crane entre dans la salle de bain, tombe le peignoir et entre dans la baignoire. C'est un bon début, nu debout dans la douche. Mais quand le couteau la touche, gros plan sur sa bouche. Un panel de malfrats à l'ancienne se dispute le trône dans la brume de la cité londonienne. Et tête de brique mène la danse. Son appétence pour la mécréance ne sera pas sans conséquence. Vous êtes sur une fine pellicule de glace, mes chers petits messieurs. Et je serai en dessous quand elle cédera. Grenouille sort du carrosse, vêtue d'un costume bleuté. Avant d'être exécuté, il est dans l'odeur de sainteté. De la fiole, les fragrances, les effluves s'envolent. Dès lors, la foule s'affale et devient folle. Il possédait un pouvoir bien plus puissant que celui de l'argent, de la peur ou de la mort. James Cole court au ralenti dans l'aéroport. Envoyé d'un futur dont il est le dernier espoir. Mais une balle dans le corps fera de lui le spectateur de sa propre mort. C'est nous, la prochaine espèce en voie de disparition. Vous avez raison, madame. Hortel dit devoir se rendre en terre asiat sur un énième deal. Presse Ethan Beaumont veut qu'il le suive dans la zone hostile. Confiant, Beaumont va céder et dans le coffre se glisser. Hortel isole, ne le manque pas, ce soir son sort est scellé. Putain, c'était qui? C'est Beaumont. C'était qui, Beaumont? Un employé dont j'ai dû me séparer.